En 1951, La Poste célèbre cet homme politique français, Jules Ferry, originaire de Saint-Dié dans les Vosges. Né en 1832, Jules Ferry se fait d'abord une réputation en tant que journaliste. Clairement positionné dans l'opposition à l'Empire, il acquiert sa célébrité grâce à un article paru dans Le Temps, « Les contes fantastiques d'Haussmann ». Sa carrière politique commence en 1869 en tant que député. Élu sur un programme radical, anti-centralisateur et anti-militariste, il s'oppose à la déclaration de guerre contre la Prusse. Après la défaite de Sedan, il entre au gouvernement de la Défense nationale et devient maire de Paris le 15 novembre 1870. Sa circulaire, exigeant des restrictions alimentaires, lui vaut alors le surnom de Ferry la famine. Mais Jules Ferry est principalement connu pour sa politique scolaire. En 1879, il dépose deux projets de loi qui constituent un premier pas vers la laïcité, car Jules Ferry veut, en fait, éliminer les ecclésiastiques des conseils académiques et des facultés d'État. À la rentrée parlementaire de 1880, une série de nouveaux projets est déposée concernant la gratuité et la laïcité de l'enseignement des jeunes filles. La gratuité est votée en 1881. La laïcité est l'obligation scolaire entre 6 et 13 ans est votée en 1882. La philosophie générale de ces lois peut ainsi se résumer à gratuité, obligation, laïcité. Mais parallèlement, ce que l'on peut reprocher à Jules Ferry, c'est son fort engagement pour l'expansion coloniale française. Pour Ferry, la France doit porter partout où elle le peut sa langue, ses mœurs, son drapeau, ses armes, son génie. L'action dans laquelle il s'investit personnellement est celle du Tonkin au Vietnam, où il prend des mesures d'occupation intégrale. Mais devant un échec des offensives, son gouvernement tombe en 1885. Si Jules Ferry incarne la gauche opportuniste, on retiendra de lui sa politique scolaire et sa politique coloniale. Décédé en 1893, il est inhumé à Saint-Dié.